bonjour à tous. Bienvenue dans À l'affiche au Festival de télévision de Monte Carlo. Avec moi aujourd'hui sur le plateau, deux grands noms de la télévision, de la petite écran. Déjà la star de plusieurs séries à succès en France, comme Femme de loi, Dolmen, et actuellement Demain nous appartiennent, Ingrid Chauvin. Bonjour. Bonjour. Aussi avec nous un acteur haïtien qui a cartonné dans la série Heroes aux États-Unis. Il joue actuellement dans la série américaine Close et est membre du jury fiction du festival cette année, Jimmy Jean-Louis. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici au Festival de télévision de Monte Carlo. Qu'est-ce que vous, vous regardez à la télé, Ingrid? Alors, moi, je vais être une très, très mauvaise élève. Je suis dans une série qui est une quotidienne. Donc, ça veut dire qu'on travaille tous les jours avec les textes à apprendre le soir. Donc, j'avoue que je n'ai absolument pas le temps de regarder. Jimmy, vous, vous regardez quoi? Malheureusement, je suis dans le même cas. C'est le problème de nos métiers, voilà. Ouais, parce qu'on tourne presque tout le temps et on n'a pas vraiment le temps de regarder la télé. Ingrid, votre série Demain nous appartiennent a beaucoup de succès avec des fans. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce format de quotidienne? Alors, c'est une toute première. Hein. J'ai été abonnée aux séries, j'ai été abonnée aux sagas familiales, aux séries de 90 minutes ou de 52 minutes. Le fait d'être dans une quotidienne, c'est vrai que c'est un rythme effréné. C'est un produit innovant en France, mais j'avoue qu'on est servi par des scénarios qui sont assez extraordinaires. On a nous-mêmes ce côté très addictif de vouloir découvrir à chaque fois ce qui va se passer après. Et voilà, le fait d'être dans ce truc d'urgence, c'est très tendu. On a seulement 5 semaines d'avance sur les diffusions. Et voilà, c'est ce côté un petit peu où il peut se passer des catastrophes. On se dit, voilà, il y a des risques, mais c'est très agréable. Et puis, on est 250 à travailler au quotidien. Tous les jours, on travaille sur 3 plateaux différents. Mmh. C'est assez innovant en France. On a plus l'habitude de voir ça aux États-Unis. Nous, on le découvre, mais on s'y est vraiment adapté et c'est très agréable. Mais ça allait être ça, ma prochaine question. Jimmy, vous, depuis vos succès dans Heroes, vous tournez la plupart de votre temps aux États-Unis. Quelle est la plus grande différence, vraiment? Est-ce qu'il y a encore une différence entre un tournage en France et les pays anglo-saxons? Ben moi, je me suis habitué à m'adapter à un peu tout, parce que je travaille bien sûr aux États-Unis, aussi en France, en Afrique, dans les îles. Donc, j'ai cette souplesse d'adaptation. La plus grande différence, en général, c'est au niveau du budget. Donc, le budget dicte comment est-ce qu'on va faire les choses, quoi. Je veux dire, là, je suis sur une série où on fait 10 épisodes, sauf qu'on prend 5 mois pour faire ces 10 épisodes. Et c'est une machine, c'est vraiment une machine, quoi. Chaque position, chaque poste a une personne. Alors qu'en France, les gens peuvent se permettre de doubler les postes. Et là-bas, personne ne va aller sur le territoire de l'autre. C'est une interdiction. Si j'ai quelque chose sur ma chemise, le maquilleur ne va pas me toucher. Le maquilleur va demander au costumier de venir m'enlever là. Donc, c'est des manières de faire qui sont complètement différentes. En France, on boit du vin pendant le lunch. Alors là-bas, c'est complètement faux. Non, mais c'est vrai. Pas sur nos plateaux. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'on mange mieux en France sur les plateaux. Oui, je pense bien, ouais. Ingrid, vous avez ce rêve américain ou britannique, d'ailleurs, ça vous dirait de tourner en dehors de la France? Mais écoutez, pas franchement, pour le coup, je m'appelle Ingrid Chauvin, je pense que c'est pas pour rien. Non, mais moi, en fait... C'est le titre d'un film, ça, je m'appelle Ingrid Chauvin. C'est pas mal. Ça vous dit mais, pas. Mais non, mais en fait, moi, je suis tellement introvertie, timide, je suis bien, je me sens en sécurité. Et puis, je suis une jeune maman, voilà, j'ai tellement envie d'être en famille aussi. Et donc, pour le moment, ça me convient assez bien. On remarque quelque chose aux États-Unis. Il y a de plus en plus de grandes stars du cinéma, des acteurs oscarisés qui maintenant veulent faire des séries. Alors qu'il y a 20 ans encore, c'était un peu le créneau des acteurs peut-être pas très en vogue aux États-Unis, comme une sorte de tremplin vers le 7e art. Mmh. Mais maintenant, c'est l'inverse aux États-Unis. Vous trouvez que cette frontière entre le cinéma et la télé est aussi en train de s'estomper en France? Alors, je dirais que ça commence à le devenir, mais que dans un sens. Enfin, voilà, les acteurs de cinéma peuvent se permettre de venir faire des séries. Les stars de séries n'ont pas trop l'autorisation encore aujourd'hui de faire du cinéma. Moi, j'en ai pas de frustration. On me pose toujours cette question-là. J'ai eu la chance d'être vraiment admirablement bien servie dans mes rôles à la télévision. Mais voilà, je pense qu'on est un petit peu en retard en France par rapport à ça. Non, là-bas, c'est complètement permis, quoi. Je veux dire, maintenant, les stars de télévision deviennent les vraies stars parce qu'ils ramènent l'audimat et l'audimat ramène l'argent. C'est un pays où c'est uniquement au niveau de
commercial. Si on arrive à attirer une audience et qu'on peut faire de l'argent, on va prendre cet acteur. C'est vrai que la télévision prend le dessus sur le cinéma. Et moi, je vois ça parce que je fais plusieurs festivals, hein, que ce soit les festivals de films ou festivals de télévision, et je vois les différences qui commencent à se rétrécir. Là, j'ai fait Cannes, là maintenant je suis à Monte Carlo, donc voilà, je vois ça de très très près, et je suis ça de très très près aussi. Donc je trouve ça très intéressant, parce que quand on a des grosses machines telles que Netflix, Amazon, Hulu, qui peuvent se permettre de faire n'importe quel film ou n'importe quelle série, dans ces cas-là, les films prennent un coup, quoi. Donc moi, je ne serais pas étonné de voir que d'ici 5-10 ans, que les festivals de télé commence à prendre le dessus sur les festivals de films. Mais justement, j'allais vous poser la question sur la façon qu'on regarde la télévision. Ça a complètement changé, bien sûr, avec la télé à la demande, Netflix, des plateformes comme ça. Est-ce que vous trouvez que c'est qu'une bonne chose ou est-ce que ça peut être une mauvaise chose pour les chaînes hertziennes comme TF1? Mais aujourd'hui, avec les systèmes de replay et tout ça, c'est vrai que la consommation de la télévision est totalement différente. Et c'est génial parce que du coup, effectivement, maintenant, les jeunes et tout le monde, entre le boulot, les enfants, la famille, on a une consommation totalement différente et ça ramène un public en masse. Donc, je trouve ça plutôt très bien. Il faut juste accepter le changement, quoi. Je veux dire, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'Internet. Du moins, on ne pouvait pas regarder les films sur les téléphones ou sur les iPads, alors que maintenant, on peut le faire. Donc, il y a des vieux joueurs qui ne veulent pas changer, mais il va falloir... Non, mais c'est vrai, il y a toute une nouvelle génération, ils ne connaissent que ça, quoi. Donc, il faut les servir. Jimmy, vous êtes ici sur le jury de la série Fiction. Quel est pour vous le secret d'une bonne série? C'est déjà qu'on accroche, qu'on soit bien accroché, et puis aussi qu'il y ait un super cliffhanger qui nous permette de voir la suite. Il faut toujours avoir un super cliffhanger à chaque fin d'épisode. Vous l'avez senti à l'époque des Heroes, qui a vachement marqué son temps, que ça allait cartonner? Ben, Heroes, c'est vrai que c'est un vrai phénomène, quoi. Je veux dire, quand on a sorti Heroes, qui était en 2006, c'était la meilleure série au monde. Donc, faire partie de ce groupe de personnes, voilà, on était vraiment en lumière. Il y avait une telle richesse dans l'écriture, dans les recherches pour chaque personnage, chaque thème, chaque courbe d'histoire, que nous-mêmes, en tournant, on sentait qu'on avait quelque chose de très, très spécial. En plus de ça, c'était le tout début de tout ce qui était Super Heroes à la télé. Avant Heroes, il n'y avait rien de tout cela. Donc, je pense que Heroes a ouvert une petite porte. Et d'en avoir fait partie, c'est vrai que c'est assez spécial. On parlait tout à l'heure de comment notre façon de regarder la télévision a évolué. Mais je trouve aussi que les scénarios, les personnages ont changé aussi. Ils ne sont plus que bons, que méchants, comme on voyait un peu dans le passé. C'est plus intéressant pour vous, en tant qu'acteur, de jouer dans ce gris, comme on dit en anglais, entre noir et blanc? Ah oui, complètement. Pour moi, oui. Par exemple, là, je suis sur une série qui s'appelle Close, où en tout début, je joue vraiment l'amant, l'élégance et tout. Et puis à la fin de la première saison, on réalise que je suis vraiment le kingpin. Donc d'avoir cette courbe et de pouvoir remplir ça du plus gentil au plus méchant, pour un acteur, c'est génialissime. Et de pouvoir jouer ça sur une série. C'est jubilatoire, effectivement. Et c'est vrai qu'on a la chance dans ce genre de série d'avoir un panel d'émotions absolument énorme à pouvoir défendre. Et ça, c'est vraiment chouette. Juste pour finir, on est ici au Festival de télévision de Monte Carlo, un festival connu pour ses fans. On les voit ici qui viennent de partout dans le monde. Quelle est la chose la plus dingue qu'un fan a fait pour vous, Ingrid? Ah, alors moi, il y a une fan qui a fait tatouer mon visage sur son bras. Qui a eu le culot de me dire « Vous étiez plus jeune. » Quel culot. Vous allez vieillir aussi. C'est génial. C'est pas mal, ça. Jimmy, vous? Je sais pas. Je... Pas de tatouage. Non, malheureusement, j'aurais bien voulu. Non, mais c'est génial de savoir que des fois, ils connaissent ma vie plus que moi-même, quoi. Donc, il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai dû faire dans le passé, qui me rappellent. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui suit notre vie à nous. Jimmy, Jean-Louis, Ingrid Chauvin, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale télé lors du 58e Festival de télévision à Monte-Carlo. Merci à vous aussi. Restez bien sûr sur France 24.